Abandonner tout
elle aime bien fort. Et dis-moi qu'elle est réveillée, venez joindre souvent. Brothers, sisters, peace be with you. Welcome. Welcome to the celebration of the 28th Sunday in Ordinary Time, which happens to be October 11, 2020. In today's scripture readings, heaven is compared to a wedding party where all are invited, everybody, yourself included. However, some people turn down the invitation. Their own business is their sole concern. Blinded by selfish views, they close their ears to God's loving voice, and this simply disqualifies themselves for heaven, for earthly happiness is all they want. Out they go. However, the wedding party must go on, and others are called in. Yet one guest showed up entering the hall without a wedding vestment. He's mercilessly cast out into the darkness outside, where there is wailing and grinding of teeth. This image of the wedding garment, the wedding vestment, highlights the necessity for us to be in the state of grace at the time of death. God cannot be fooled. Only those with a contrite and sincere heart will gain access to Him. The reference to the darkness outside, where there will be wailing and grinding of teeth, clearly points to hell. We need to know that the refusal of God's invitation to a life of righteousness is no insignificant matter. As intelligent creatures provided with a mind and a free will, a capacity of decision, we are challenged to freely choose our eternal destiny. We are not treated as children, but as responsible adults. Darkness will be the fate of those who reject the light. A free and wholehearted acceptance of God's invitation to eternal life determines our salvation. To enter heaven, one's consent, that is, conversion, is an absolute requirement. Brothers, sisters, make sure that you clearly accept Jesus Christ as your Lord and Savior. Make sure that you wear the wedding garment, the garment of humility, sincerity, of love of the neighbor, the commitment to service of your neighbor. May your face radiate the virtues that shine on the face of Jesus. Please accept repentance and be welcome into the wedding party, the joyful destinies that God prepares for those who participate in the building of His kingdom. May God bless you. Frères et sœurs, je partage avec vous aujourd'hui une méditation sur les lectures bibliques du 20e, 28e dimanche simple, lecture tirée d'abord du prophète Isaïe au chapitre 25, ensuite de l'épître aux Philippiens au chapitre 4, ensuite de l'évangile de Matthieu au chapitre 22, du verset 1 à 14. Écoutons aujourd'hui la parabole de la fête des noces. C'est à cela que Jésus compare le ciel, une fête débordante de joie, où coule en abondance le vin de fête.
L'invitation est lancée à tous. Mais voilà que beaucoup la refusent. Ils sont intéressés à leurs seules affaires et ferment l'oreille à l'invitation aux appels de Dieu. Ils choisissent ainsi librement de s'exclure de la salle de fête, c'est-à-dire le ciel. Le maître des noces, c'est-à-dire Dieu, respectant leur refus, élargit son invitation à d'autres. Mais voici que dans la foule des nouveaux arrivés, qui proviennent de tous les peuples et de toutes les nations, invitation universelle, un individu se présente sans la robe de noces. Immédiatement, il est jeté dans les ténèbres, où il y a pleurs et grincements de dents. Pourquoi ce traitement sévère et brutal, se demande-t-on? Cette image a pour but de mettre en lumière le fait que l'admission au ciel n'est pas automatique. Même si l'on est invité à la fête, il y a quand même certaines exigences. La robe nuptiale symbolise l'état de grâce. On n'entre pas au ciel avec des péchés au cœur. La conversion et la naissance nouvelle sont des conditions irréversibles du salut éternel. Admettre le péché dans sa vie, c'est choisir les ténèbres et refuser la lumière. C'est refuser la fête de noces. Notre destinée éternelle dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Refuser la conversion n'est pas une petite affaire. Jésus nous prévient de ne pas jouer avec le feu. Choisissons de le suivre de tout cœur, car sa promesse, c'est la vie, la joie et la victoire éternelle. La fête de noces, c'est l'invitation que nous recevons, mais pour cela, nous devons tourner le dos au mal, au péché. Nous devons devenir des êtres nouveaux et ainsi mériter d'entrer dans la fête de noces où coule en abondance le vin de fête. Accepte cette invitation. Accepte, je te le demande, je te supplie, accepte cette invitation du Seigneur. Accepte la joie. Préfère la lumière aux ténèbres. Je suis sûr que tu le feras. Que Dieu te bénisse. Frère Axel Moyo, c'est parti content, nous content, à fêter jeudi, qui c'est 11 octobre 2020, 28e dimanche, l'entente ordinaire. Et ça qui, la mi-temps, mon sur la Bible, nous recevons jeudi, c'est Jésus qui comparait ciel tant qu'ils ont fait noces. L'heure est fait noces, gain du vin, l'heure est fait noces, gain que content, monde danser, c'est gros fête. Mais que des mondes, ils n'ont pas voulu, ils ont refusé l'invitation à Jésus. Ils ont plutôt été sous terre. Ils ont plutôt mangé terre, qui n'a pas gagné même goût, même valeur, avec manger fait noces. Alors, le maître noces ou ça, eh bien, ils voyaient jeter monde qui n'a pas voulu recevoir un message, l'invitation, l'invitation, bon Dieu. Parce que le monde pipito gagne des fois occupé à faire sous terre. Bon Dieu, voyez où aller. Et puis, qu'on y a, il ouvrit invitation pour tout peuple, toute nation, il formait ça, il est l'Église. L'Église, c'est le monde qui acceptait rentrer la fête noce. Mais pour entrer dans la fête noce, c'est pour habiller avec rad noce. Ou pas capable d'entrer dans la fête noce avec un rad déchiré, avec un rad sale. C'est-à-dire avec péché, avec crime sous corps, avec menti en bouchou, pour rentrer la fête noce, c'est pour gagner robe, la grâce, c'est pour gagner la grâce de Dieu, c'est pour repentir dans tout mauvais acte où dès qu'on fait longtemps, il repentit, accepter baptême, laver cœur, accepter pour fête en deuxième fois, et puis recevoir la grâce. Si on mourit sans la grâce, eh bien, il n'y a pas obligé de mettre au dehors. On ne peut pas rentrer dans la fête noce. C'est le monde qui dérobe la grâce.
à travers l'histoire, ça m'a invité. T'en prie, acceptez l'invitation, mon Dieu. Hein. C'est mon ou y'a au grand corps, mon grand homme. Ou pas capable de chercher plaisir, corps seulement, si on pas chercher victoire à plaisir, homme qui est plus important. Et puis, corps, bras, participer, la fête, homme, souffler, joie, qu'est content, tout bon vrai, c'est accepter l'invitation, la fête, notre bien, la glorie, pantalon, la glorie, baptême, la glorie, confession, chauffeur, péché, venir, commencer, chita, sous table à messe, qui a préparé pour leur mourir, ou qui a entré la fête noce, qui a du vin qui a coulé en abondance, du vin gloire, bon Dieu, là. Depuis qu'on y a rangé corps, pour que leur rivée, la papote, ou qui a joué une place, côté ouais, bon Dieu, face à face, côté qui a bien en cœur content, aucune bouche pas capable d'expliquer. Tant pris, acceptez l'invitation, ça, c'est pour mon Dieu bénir. Moins qu'une chance dans mon Dieu qui plaît tout pouvoir réellement vrai c'est force pour y être tout qui fait qu'on merveille ça y a comme dit qui j'en ai au sein l'amour pour nous sans pareil. Gade plan pour tata yo fait, Korisha yo ou si yetan yo, c'est malheure qui te nan grand coup, ou bay toi manger ventre plein, oui oui, qu'est ou toujours sensible, pour Israël paix pour moi. Magnifique, magnifique, magnifique.
que mes promesses pour faire longtemps. Pas dernier son sept papa nous yo. Nous toujours songer Père Abraham. Ensemble avec Isaac, Jacob. Et c'est pour tout temps qui va guettant. Tout le monde va chanter louange. Oui, louange, mon Dieu fidèle là. Je dis à et pour tout temps.